Chers amis, je fais suite à ma vidéo numéro 1, ces vidéos qui rendent intelligentes et qui invitent à la réflexion. Donc, dans la vidéo numéro 1, je parlais de cette loi de cause à effet. On l'appelle aussi la loi de réciprocité des effets. Hein? Il y a un adage populaire, la sagesse populaire, il dit, celui qui sème le vent, il récolte la tempête. D'accord? C'est tellement simple à comprendre. Souvent, je pose cette question à des gens pour essayer de faire comprendre cette loi. C'est une loi fondamentale, l'échange équitable. Comme j'avais dit, il y a 10% des êtres humains actuellement qui aspirent à cela, d'où on voit les organisations de ONG ou le commerce équitable, voyez-vous. Mais même encore ici en Occident, on vit tellement dans les villes, quoique il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a pas mal des moyens quand même qui nous connectent à la nature, même si on vit dans une grande ville. Voilà. Et c'est la loi, par exemple, je pose souvent la question, quelle est la loi de la nature entre l'abeille et la fleur? Voyez-vous? Bientôt, on va faire des ruches sur les toits des immeubles parisiens. Hein. On va faire du miel sur les toits de Paris. Donc, je donne cet exemple parce qu'il est très proche et les enfants, même les gens doivent le savoir. Quoique, vous allez voir. Quand je pose cette question, il y en a qui disent, bah oui, c'est simple. L'abeille vient, il pique le nectar de la fleur et elle s'en va. Je dis, ah bon, pour vous, c'est comme ça. Eh bien, cette personne, il est vite éliminé ou à aider parce qu'il n'a rien compris. L'autre, il ne comprend pas. Hein. Sur 10 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui répondent un peu correctement. Donc, voyez-vous, la loi de la réciprocité, la loi d'échange équitable, hein, vous allez lire le grand philosophe new-yorkais, hein, d'origine orientale, Gibran, Khalil Gibran. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Le Prophète, qui n'a rien à voir avec la religion. Hein. Et il explique que la loi entre l'abeille et la fleur, c'est une loi de vie, d'échange vital. Hein. L'abeille, sans le nectar de la fleur, ne peut pas vivre, ne peut pas, n'est-ce pas, prospérer. Hein. Et la fleur, sans l'abeille, ne peut pas. Donc, être inséminé pour donner, pour se multiplier. Par exemple, quand je pose la question, monsieur, la pomme que vous mangez là, qu'est-ce qu'elle était avant? Ben, il y en a qui ne savent pas. Ils disent, oui, la pomme était un arbre. Ben oui, d'accord. Et encore. Ils ne savent pas que une cerise, un fruit, avant qu'elle soit fruit, elle était fleur. Mais pour qu'elle devienne fruit, il faut qu'elle soit fécondée. Il y a bien sûr la fécondation par le vent, etc. Mais la meilleure fécondation, surtout par exemple, vous voyez les amandiers hein, aux États-Unis, il y a des hectares et d'hectares d'arbres d'amandes et ils ont recours aux abeilles pour les polliniser, la pollinisation. Parce que c'est meilleur et ça donne de meilleurs fruits. Voilà. Donc ils ne savent pas dire qu'une pomme était une fleur avant. Et pour qu'elle soit pomme, il faut qu'elle soit inséminisée. Et pour qu'elle soit inséminisée, il faut qu'il y ait des échanges par un transporteur qui sont les abeilles ou bien même les colibris dans les Caraïbes qui font ça aussi très bien. Voilà, chers amis. Donc, c'est une des lois fondamentales de la vie, c'est la loi d'échange, de réciprocité. Il est partout dans le cosmos. Si vous regardez, vous méditez, vous observez, vous verrez que cette loi est partout. Si les pays européens, donc je parlais dans la vidéo numéro 1, appliquaient cette loi d'échange, surtout les compagnies pétrolières, le trust américain qui ne pense qu'à gagner les milliards, on n'a rien contre. Mais qu'est-ce qu'ils donnent en échange? Bill Gates va vacciner quelques enfants africains? Hein, ou. C'est symbolique ou ils le font ça pour les médias. Mais aller construire des écoles, des hôpitaux, fertiliser les déserts, bon, à méditer tout ça. Et si vous le faites déjà autour de vous, avec votre collègue de travail, hein,
Ce n'est pas donnant-donnant comme ils font les politiques. Hein. Tu me donnes ça, je te fais ça. Ça, c'est égoïste, en fait. Hein. Mais c'est pour le bien global. D'accord. Voilà. Pas pour les intérêts personnels entre deux ministres, comme ils font actuellement nos politiques. Et après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin des dirigeants si... Parce que nous, on ne sait pas se diriger nous-mêmes. Hein. C'est sûr que si tu penses à faire le mal à autrui et à profiter de lui ou à l'arnaquer, hein, c'est sûr qu'il faut de la justice. Mais regardez, hier encore, j'ai vu un Africain, enfin, j'en ai fait une vidéo, qui a arnaqué un vieillard chez nous, hein, un de mes patients. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin de justice. Mais si l'être humain lui-même, il ne pense pas à arnaquer son prochain, à arnaquer l'autre, on n'aura pas besoin de justice. Parce que la justice se fait d'une façon naturelle. Voilà, chers amis, à méditer.